Salut tout le monde, c'est Salah. Yes. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog. Au Japon. Au Japon. Fatigué. Vous avez vu la précédente vidéo et là donc on retourne à Tokyo pour 5 jours. Oui. Et aujourd'hui on a un joli programme devant nous, vous l'avez vu le titre dans la vidéo, en tout cas, en espérant que ça se passe comme on l'a prévu. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est que ça s'est prévu, hein, sinon je ne le sentirai pas, évidemment. Nous allons donc voir le qui est l'un des plus connus, apparemment c'est un des festivals d'artifice les plus connus du Japon et c'est une fois par an des coups de peau, mais genre vraiment des coups de peau, on rentre au milieu du Mont Fuji. Et en fait, pour l'anecdote, c'est toujours intéressant de noter comment ça s'est passé, on regardait les trains pour rentrer vers Fuji et en fait on voit passer un message qui dit qu'il y a des problèmes sur la station et que le trajet sera modifié du fait d'un festival de feux d'artifice. Donc après s'être renseigné, non sans peine, on a découvert que c'était à une demi-heure de là où on dort. Donc c'est pour ça qu'on va s'y rendre et évidemment nous allons vous le partager pas en entier, parce que j'ai envie de regarder aussi, mais on trouvera quelques images du feu d'artifice. Tu voulais montrer quelque chose? Mais on est tombé sur un train spécial. Oui, il y a des petits monts fuyés partout. Des personnages. Toi, comme le pint que j'ai, c'est le même que j'ai. Et là on est toujours en pleine campagne japonaise. Je trouve vraiment très 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 belle. Et voilà, alors on n'a même pas fait de débrief. Ton avis sur ces quelques jours passés à Fuji? C'était bien, c'était bon. Il fait chaud. Alors là, prépare-toi parce que, autant vous le dire tout de suite, hein, vous allez me suivre, mais il va faire encore plus chaud parce que là, Tokyo, une fois que le téléphone sera ramassé. À Tokyo, pour tout vous dire, il fait précisément. Ça, on a l'impression qu'il fait bon dans un train climatisé. Il fait 34, et ça va vous monter. Ça monte jusqu'à 37. Avec un ressenti 40. C'est pour ça qu'on va aller faire les magasins. Du coup, ça peut-être, on va attendre peut-être pas ça dans cette vidéo, je sais pas comment on va, mais j'essaie de vous filmer un peu le. Avec après, je pense que les magasins, peut-être pas zoomé. Vous avez plus de caméra et tout, c'est pas trop chaud. Ça dépend, c'est écrit à l'intérieur. Voilà. Bon, on se retrouve soit pour faire un service, soit pour d'autres aventures, mais dans tous les cas, bonne vidéo. On est sorti à Shunku avant d'aller aux artifices de Itabashi. Puis peut-être dans une autre vidéo, je sais pas. C'est pas encore sûr. Et du coup là on s'est dit qu'on allait au coup de caméra de Shunku se mettre au frais, visiter, prendre peut-être un café en haut du Lumineuse. J'allais te le demander en plus, je commence à avoir mal au dos. C'est pas à cause du sac mais. Parce que Shunku c'est la bière la plus fréquentée du monde. On n'a pas filmé en dessous hein, quand on est sorti, mais voilà. Ouais, trop et trop le trop quartier de Shinjuku, voilà, c'est un gros quartier avec un gros centre commercial au-dessus de la gare qui s'appelle le Lumine Est. Et juste à côté, il y a le quartier de Kabukicho, mais on ira plus le soir parce que Kabukicho, c'est beaucoup de bars, de karaoké, de café à goûter, c'est ce genre de choses. On va au but caméra. Est-ce que
Vous voyez le nombre de personnes en kimono. Mmh. Là-bas, on a le cliché des petites écolières, là. Alors, pour le kimono, en fait, les japonaises portent le kimono comme on porte une belle robe ou un tailleur en France. C'est pour ça que dès qu'il y a des grands événements ou qu'elles s'y mettent chic, elles mettent un kimono. Et les japonais, pareil, ils portent le kimono comme on porterait un costume pour un homme en France. Donc, dans les grands événements, on les voit porter des kimonos. Mais c'est pas du tout lié au gaijin ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est une tenue Même les petits chics. Ouais. Oui, même les enfants. Et là, on a essayé de trouver un café, donc on va essayer de voir. Mais là, il y a déjà moins de monde, c'est vraiment la gueule qui est pris d'assaut. Ouais, en fait, les gens. Et on a ça, réussi ça. C'est pour Marion. Ça, c'est quand même typiquement japonais. Ah oui, j'en ai. Quand il y en a un qui fait quelque chose, ils suivent tous. Non, mais je veux dire, ils se sont tous rués au même stand parce qu'il y en a un qui est allé. C'est là l'entrée. Bon, il y a du monde à l'intérieur, mais je pense qu'on peut prendre un truc boire dehors. Allez, gâteau. Et tu peux tourner la caméra. Tu vas essayer de tourner. Bon, on fait quoi? On fait la queue? Il y a un take-out. Ah, mais ils attendent, je crois, peut-être pour manger à l'intérieur, ces gens-là, non? Tu vas prendre quoi? Donc voici en direct du parc. Je sais même pas c'est quoi le nom du parc d'ailleurs. Bon, finalement, on vous avait laissé à l'entrée du café. On les avait laissés à l'entrée du café. Bon, on a rebroussé chemin. On a fait chou blanc. On pensait qu'il y avait on pensait qu'il y avait personne. En fait, on a pris un petit ticket. Et là, on a vu, il y a genre 88 personnes devant nous. Ouais, 88 tickets. Donc. Voilà, donc potentiellement 4. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on a fini où? Au Combini, avec la bip de clochard. Et toi, tu as pris un truc que je vais goûter du coup en direct en vidéo. Alors, c'est ce qu'on appelle du chouchou, je crois. Mais non, j'ai un doute. Et en fait, c'est une boisson très sucrée, pétillante, avec légèrement de l'alcool dedans. Et quel alcool, du coup? C'est du légèrement, pardon. 6% quand même, tu sais que c'est l'équivalent d'une bonne bière. Attends, ma bière, elle a combien? Ouais, c'est vrai. Mais en gros, c'est un truc. En fait, comme c'est sucré, c'est d'habitude ce que boivent les filles. Bon. Oui, parce que ça, c'est un truc, c'est un peu. Campai, comme on dit. Oui. J'adore ce genre de truc. Bah, c'est bon, mais c'est vrai que je sais pas où est l'alcool en termes de goût. Bah, tu vois, c'est ce que je dis, c'est juste le petit. C'est un panaché. Ouais, mais c'est ça. Et voilà. Bon. On vous retrouve. Plus tard. Pour. Le feu d'artifice. Un kimono, pourquoi? Pourquoi? J'ai une flèche, j'ai dit, j'aurais trop d'avoir pas avoir mis un kimono parce que j'aurais trop aimé. Pour une occasion comme ça, de mettre un kimono. Ouais. Il nous reste. Pour moi, tu diras un kimono. Un yukata. Oui, un truc sympa. Ouais. Le kimono, là, c'est du coton. En fait, les kimonos, c'est normalement que de la soie ou de la laine. Et à partir du moment où c'est du coton, ça s'appelle des yukata. Tu dis à la caméra, là? Oui. Ouais, mais pour toi aussi. Moi, je le sais déjà.
Nous sommes en pleine nuit maintenant. Oui, enfin, pleine nuit. Il est 20h, même pas 20h30, il est 20h pile, je crois. Oui, mais le soleil se couche à 18h ici. Voilà, et on a vu une bonne partie du feu d'artifice. Le vent se lève d'ailleurs. Et merci. Et on va peut-être. Bon, on va rentrer. On se dit qu'on va peut-être pas rester jusqu'au bout parce que c'est bien sympa, mais bon, ça manque. On voit que le haut du feu, c'est vrai. Ouais, voilà, merci de me l'enlever. On voit que le haut du feu, on voit pas ce qui est au sol, et du coup, il y a des moments où on passe. 15 minutes sans rien voir. Et au-delà de ça, ça manque un peu de rythme. Et comme vous l'entendez, le vent se lève très très fort. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Il est temps de pas se taper le rush du métro. Donc voilà, si vous nous entendez, on espère que cette petite vidéo feu d'artifice vous a plu. Oui. Et on vous dit à bientôt. À la semaine prochaine pour un nouveau vlog Japon. Salut tout le monde.